Salut tout le monde, c'est The Empire et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rainbow Six. Donc aujourd'hui je vais vous montrer et vous présenter un peu le jeu. Donc on va commencer par les débuts, donc on va commencer par les agents. Donc dans Rainbow Six, on peut acheter plusieurs agents. Donc là je m'adresse, je vais faire vite fait une vidéo explicative. Ça va s'adresser à ceux qui connaissent un tout petit peu le jeu, qui savent déjà le style du jeu, tout ça. Donc je vais vite fait vous expliquer. Donc déjà, on peut acheter des spécialistes qui ont chacun une spécificité. Donc, par exemple là quand on va dans les SAS, je peux encore acheter le Thatcher, donc avec l'argent qu'on gagne en faisant des parties. Le Thatcher qui lui envoie des grenades pour par exemple enlever tout l'électronique des grenades JUM. Et le Mute par exemple il va installer des brouilleurs pour empêcher les connexions ennemies, par exemple qui posent des mines ou qui passent avec leur drone, tout ça. Voilà. Donc là c'est vite fait, je vous explique vite fait. J'ai très vite passé sur le gameplay, donc on va faire une chasse aux terroristes, on va faire du solo. On va faire loup solitaire. Attendez. Je faut être sûr que je suis en solo. Hop. Loup solitaire, on va mettre normal parce que ils sont quand même assez chauds les bots. Donc c'est parti. Désolé pour si vous entendez du bruit derrière. Donc déjà j'ai lancé du matchmaking. Attendez. Donc ça je vais le couper au montage. Voilà. C'est bon, on se retrouve. Donc là on va dans loup solitaire. Normal. Donc on lance. Voilà, donc on se retrouve directement dans la game. Donc on est dans la map Oregon. Donc c'est en Amérique je pense. En tout premier je vais pouvoir choisir mon spécialiste. Donc j'ai le choix, j'ai 30 secondes pour choisir. Donc là le Glaze c'est un sniper. Le Blitz il a un bouclier. Le H c'est mon préféré, c'est celui que je prends. Il envoie des projectiles qui explosent. Le Sledge il fait des trous dans les murs. Le AQ il détecte tout ce qui est électronique. Et le Fuse il envoie des... Et comment ça s'appelle ? Des grenades. Hop, on va prendre celui-là. Celle-là plutôt, vu que c'est une fille. Donc ça a lancé directement. Donc le principe de ce mode chasse aux terroristes, c'est qu'il va avoir... en fait, son nom il le résume bien. Donc on va chasser des terroristes, il va falloir rentrer dans la maison et tuer les 22 ennemis restants. Donc je suis pas sûr de pouvoir le faire. Donc ça va être assez dur normalement. On va commencer par lancer un petit drone. Donc vous voyez en bas ils ont... Vous avez vu combien ils sont là. Donc là vous voyez à quoi sert mon spécialiste. Ça j'ai fait exprès de le lancer de loin pour qu'ils aient du mal à me tirer dessus. Hop. Et pour que moi je puisse facilement les tuer. Donc là il en reste plus que 20. Fais gaffe parce qu'ils enlèvent super vite la vie. La vie elle passe. Voilà. Je les choque. Vous voyez, je me suis pris quelques balles et je suis déjà 50. 5 de vie. Lui, il m'a fait très peur. Ok, lui il est mort. Ok. Donc là, il reste que 17 ennemis. On va essayer de... Vous voyez... Ah, par contre, ça, il va falloir se faire super gaffe. C'est tout ce qui est électronique. Ils envoient beaucoup de... Attendez, j'en entends une. Elle est là. Ils envoient beaucoup de petites mines. Donc, ça s'appelle de la nitro dans le jeu. Il faut que je fasse très gaffe à ça. Parce qu'il y en aura de partout, normalement. Ouais, bon, on va l'utiliser pour là parce que je suis persuadé qu'il y en a dans cette pièce. Hop, t'es mort. On va se cacher. On se penche. Et là, ça va arriver normalement. Non.
Hop, donc là, le trou, ça m'a permis de rentrer. Là, j'ai entendu les bruits de passe, pour ça que je me suis retourné. Oh, c'est très intense, donc c'est un gameplay, je mettrai un petit peu de musique par derrière. Si vous voulez. Ça c'est les sur ce que je viens de tirer, c'est des kamikazes. C'est des terroristes qui vont venir sur vous, qui vont directement vous déglinguer. Je vais essayer d'un peu les esquiver, de m'écarter d'eux. Là, là ça c'est cool. Non. C'est derrière. Et par contre, ils sont très durs à tuer, hein, les terroristes comme ça. C'est pour ça que je m'écarte le plus possible d'eux. Allez, hop. Hop. Là, je vais me ravitailler. Donc, ça, c'est les trucs de ravitaillement. Il y en a que en chasse aux terroristes parce que on n'aurait pas assez de balles. Hop. Ah, j'ai plus de spécialistes comme ça, ça m'en a pas donné. Donc là, je vais utiliser une charge. Donc les charges, en fait, elles vous permettent d'exploser les murs. Donc on va se reculer. Je les entends parler, c'est affreux. Hop. Donc là, on va avancer. Là-bas, il y aura du monde. C'est obligé. Ici. Et là-bas, c'est sûr. Non, même pas. Putain, j'ai chaud là. Ok. Donc, ça, c'est barbelé. On peut le péter. Comme ça. Comme ça, ici, il y a une bombe là-bas. Il y a un petit creux. Là, escalier. Et là, on peut monter. Ouais, j'ai eu chaud. Ouh là, j'ai eu chaud. Hop, plein de têtes. On va éviter les barbelés. Hop. Et là, je peux passer dedans. On va nettoyer le bas après en montant en haut. C'est comme ça que je procède le plus généralement. Donc, il reste 11 ennemis. Je l'avais pas vu. On va charger. Hop, t'es mort. Vous voyez, ça va aller. Toujours chargé. Un peu comme Call of. J'ai entendu des bruits de pas, donc je sais pas, je vais aller voir. On entend marcher au-dessus. Mais je préfère faire le bas là-bas. Ouh, il m'a fait sursauter par contre celui-là. Là, je connais assez bien les salles. Ça me permet de me déplacer assez facilement. Ah, là il va sur la droite. Ouh, je l'ai pas tué par contre, c'est chaud. C'est mort.
Là, ils ont pas ouvert ici, donc je vais péter ici. Hop. On va se ravitailler avant. C'est pour être dangereux. Ah, on ne les pas. Je meurs. Merci. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des mecs? Alors, on va avancer tout doucement. Tu meurs. Ça, c'est des mines à la con. C'est bien, c'est qu'on les entend très très bien. Ça fait un gros bruit. Donc, le bas, c'est nettoyé a priori. Voilà. Là, c'est renforcé. Là, en fait, j'ai envoyé mon robot pour faire un peu de repérage. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont ici? Apparemment, non. Donc, j'ai pas explosé. Pardon. J'ai pas explosé ça. Hop. 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 Voilà. Donc on va monter progressivement. Voilà. On va commencer par celle de là. Hop. C'est bien, c'est que je peux reprendre mon drone. Pour le faire passer ici. Hop. Donc dans cette salle, il n'y a personne. Ici, il y en a un. Ici, il y en a un. Donc là, vous voyez, je sais où il est, je vais le marquer. Donc on peut marquer ses ennemis, comme ça. Voilà. Donc là, je sais où il est. Hop, je vais me baisser, et là, je vais le fusiller. Hop, voilà. Hop, on fait pareil. Ça arrive. Je vais me baisser pour voir ses pieds. Ouais, t'es mort. Il reste 5 ennemis. T'es mort. Ça, c'était une flash par contre. Et ça, ça fait mal. Hop. Ah, ouais, elle était là, ça me... J'ai entendu. J'ai l'impression qu'il y en a encore en bas. On va continuer. Là, ça sort dehors. Ok. On va péter ça ici. Hop, 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 hop. Personne. On entend très bien le... Hop. Hop. Ils sont juste là. Je vais juste m'assurer qu'il n'y ait personne là. Putain, on entend le bruit encore des mines. Je vais essayer d'esquiver. Voilà. Tac, oleil. Donc là, on va poser ça. Alors, la personne là, tu meurs. Je dois en avoir encore un. Non, il n'y a personne. Bon. Je vais mettre pause là.
Ouais, donc je suis désolé, il y a eu une petite coupure entre-temps en fait. Ça, j'ai eu la coupure des 15 minutes pile au moment où il y a tout le monde qui sont arrivés, donc j'espère qu'on aura bien la fin. Même s'il y aura peut-être un petit décalage, on verra. Normalement, je vais essayer de régler ça au montage. Peut-être que ça passera bien. Voilà, donc en plus j'ai gagné un défi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like et partager la vidéo un maximum de fois. Moi, ça me fera vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao, ciao tout le monde.